Salut à tous! Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo pour vous montrer la modification du ventilateur pour les Fat Shark, pour venir connecter ici la prise d'équilibrage directement dans les lunettes. Alors pourquoi moi j'ai fait cette modification? Parce que j'en avais marre qu'en utilisant les batteries des lunettes en fait, les prises d'équilibrage qui sont vendues avec, elles n'arrêtent pas de casser, ça fonctionne mal. Le fil soit il se coupe avant, soit la prise d'équilibrage elle est mal connectée dedans, soit le fil il vient ici se couper dedans et ça marche pas bien. Donc j'en avais marre, donc je me suis dit allez hop. Ça prend 2 minutes, vous allez voir. Il suffira juste d'ouvrir les lunettes et de venir connecter ici le plus et le moins du ventilateur directement dans les lunettes. Alors attention, si jamais vous branchez après une 3S sur les lunettes, ça va cramer le ventilateur parce que le ventilateur, lui, il fonctionne sur du 2S maximum, pas sur du 3S. Donc voilà. Mais après, pour tout ce qui est 2S, pour tout ce qui est les batteries comme ceci, là, les double 18650, toutes les batteries en 2S, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est parti. Allez. Kitchen floor, it seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I've locked you up and tie you down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Day and night, I'm running, running for you. Gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet. Yeah, so take me higher, baby. Let's go and hit the streets. Yeah. Day and night, I'm running, running for you. Gotta go and step outside. So warm me up, cause I know the world is at my feet. Yeah, so take me higher, baby. Let's go and hit the streets. Yeah.